Aymeric Bonnery prend le contrôle de l'antenne dans le Rico Show en direct de 21h à 23h. De 21h à 23h pour 2 heures de surprise déjantée. Promis, en attendant, on va détendre l'atmosphère puisque je vous avais promis un canular. Oh. Alors, Gilles, maintenant que t'es bien chaud, tu pourras aussi mettre ton grain de sel là-dessus, je compte sur toi. Okay. La semaine dernière, on a fait un canular, si vous voulez bien entendre ça. Un réceptionniste d'un hôtel, on l'a trompé. Pourquoi ? Parce que sa nana nous a laissé son numéro, on l'a appelé pour réserver une chambre, et j'ai réservé une chambre avec sa nana. Et lui, il a littéralement pété un plomb. Non, mais c'était la folie. Hein. Ça a donné des idées à nos auditeurs, et une auditrice m'a laissé un mail, et m'a dit, voilà, moi, mon mec, il book des tables en boîte de nuit, et son rôle, c'est de prendre les noms et de dire, voilà, tu vous laisserais combien, et de lister. Et ce qui serait marrant, c'est qu'au moment de l'appeler, vous sortez mon nom. Comme quoi, je serai avec vous. Là, je me suis dit, ça, c'est un truc pour Jean-Michel. D'accord. Mais elle fait quoi, la fille, dans la vie ? Parce qu'il faut que je justifie comment je l'ai connue, un truc. Ouais, mais je pense que le mec, il va péter un plomb. Ouais, mais il faut quand même, non, il va me dire que tu l'as connue comment. Alors, attends, je lui dis, attends, quoi, attends, on me dit, en régie, elle est serveuse dans un bar à Paris. Serveuse dans un bar. Voilà, donc tu lui dis que tu buvais un verre, ça fait 48 heures que t'es à fond dessus. Voilà. Et on y va quand, la boîte ? On y va, tiens, c'est pour ce soir. Ah, c'est fictif, en fait, d'accord. C'est pour ce soir. Ah, pour ce soir. C'est pour ce soir, après l'émission, on réserve une table. C'est Kelly Jabot, c'est ça ? Kelly Jabot. Ah, Jabot. Ah, Kelly Jabot. Voilà. Kelly on passe un coup de fil. Là, tu vas tomber sur son mec. Allô ? Pierre ? Ouais. Ouais, c'est Jean-Michel Maire à l'appareil. Tu vois qui je suis ou pas ? Jean-Michel Maire ne touche pas en poste. Ouais. Je t'appelle un peu la dernière minute parce que je voulais sortir ce soir. Tu sais, je fais la radio ici à Radio VL, là, avec Aymeric et Mouni et toute la bande. Et voilà, et on voulait se faire une petite fiesta ce soir. Et je voulais réserver une table. Je sais pas si t'as encore des tables en carré VIP ou pas. Écoute, pour toi, c'est bon, hein, je pense. Ouais. Non, écoute, t'es adorable. On sera. Combien de personnes ? On sera 6-7 à peu près, quoi. 6-7 à peu près. Il faut que tu me donnes les noms. Je les note et je vous mets sur la liste, c'est pas de problème. Bah écoute, tu dis, en tout cas, il y a Jean-Michel, il y aura peut-être Gilles Verdez qui va venir avec moi, Aymeric, Mouni, il y aura un peu toute la bande. Et puis en plus, j'ai rencontré une petite nana il y a pas très longtemps, qui s'appelle Kelly Jabot, qui est super mignonne, super sympa. Attends, t'as dit quoi là ? Je t'ai dit que on viendra, on sera 6 ou 7, quoi. Non. Mais c'est le dernier nom là. C'était quoi le dernier nom là ? Une table en carré VIP, avec Gilles Verdez, Aymeric, Mouni. Non, mais attends, t'as dit Kelly là, non ? Kelly Jabot, c'est une fille que j'ai rencontrée il y a pas très longtemps. Non, comment ça, Kelly Jabot, quoi ? Kelly Jabot, c'est ma meuf, d'accord ? Ah bah ça, elle était gentille, mais ça, moi, je suis pas censé savoir qui est la meuf moi. Non, mais attends, Kelly ! Kelly ! D'abord, Kelly ! Quoi ? Oh, Kelly, d'abord ! Hey, c'est quoi là ? On m'appelle, on me dit tu vas en boîte ce soir, mais... quoi, ce bordel ? Pierre ! Oh, Kelly ! Non mais Pierre, t'es... Toi, je sais pas, écoute, normalement je t'aime beaucoup tout ça, on m'a dit de bien traiter, mais c'est ma meuf, là tu sais pas qui je suis moi, je te jure, il va y avoir des problèmes. Non mais Pierre, prends pas des tours, je vois pas où est le problème, tu sais que ce qui est maqué est démaquable, hein, c'est le principe de la vie. Non donc, mais, ça, non, mais ouais, tu vas voir, t'es où là ? T'es où ? Vas-y, t'es où ? Tu vas voir, viens. Je suis en train de t'appeler pour dire je vais réserver une table, donc bien sûr je vais venir, oui, mais je viens pas maintenant, je vais venir vers minuit, quoi. Tu vas voir, moi et mes potes, on est là, vas-y, viens. Ah viens, mais après une table plus grande, alors, parce que nous, on sera 6-7, prends deux tables, alors. Hein ? Vas-y, viens, tu vas voir. Mais prends deux tables. Bon, on te rappelle, alors. Ouais, c'est ça, ouais. Je te rappelle, Pierre. J'arrive. D'accord. C'est fini, c'est bon, on a raccroché. Truc de fou, vous savez ce qu'on va faire. Il va la taper, hein, faut intervenir. Non mais, là, le mec, il a dit j'arrive, je sais pas où est-ce qu'il va aller. Là. Mais non, mais il est avec elle, c'est ça le problème. Là, il va la taper. Ouais, il est avec elle, c'est pas bien. Là, faut lui dire. Gilles, il va enfoncer le couteau. Comment il s'appelle le gars ? Pierre. Je vais le débrancher. Branche-le. Ouais, allô. Pierre. C'est Gilles Verdez, tu vas bien, ne touche pas à mon poste aussi. Je suis avec Jean-Michel qui t'a appelé là. Ouais. Bah écoute. Ouais. Quoi ? Ah, il faut pas non plus que ça dégénère, tu vois, les histoires d'amour peuvent parfois prendre des tours peu compliqués. Kelly, elle est là, je te jure, jure-moi frère. Je te jure. Tape Jean-Michel, mais tape pas Kelly, c'est tout ce que je te demande. T'inquiète pas, Kelly, ça touche jamais. Ah ouais, non, t'es un mec bien, mon pote, je crois que t'es un mec amoureux. Et je vais te dire, rien de plus beau qu'un mec amoureux. Si Jean-Michel la touche, il va y avoir des problèmes. Non, mais si je suis là, il la touchera pas, je la toucherai moi. Kelly, elle va me filer son numéro. Elle va me filer son adresse parce que je suis sûr qu'elle est déjà invitée une soirée chez lui, tout ça là. Je vais choper son numéro.
te non. jure, j'arrive. Hey, je vais non, mais tu sais, il fait... Non, il se... Attends, je vais... Je vais te dire un truc. Hey, écoute-moi une seconde, je vais te dire un truc. Il est vachement mytho. Et en fait, voilà, il ne l'a pas vraiment touché, il ne l'a pas vraiment branché non plus. Ils ont un peu discuté, mais ça lui arrive beaucoup, tu vois. Donc Kelly, ouais. Kelly, elle a rien fait. Le salopard, attends, c'est Jean-Michel. Attends, je vais demander mais à Kelly. Kelly, elle est pure. Kelly, elle est pure. Elle est pure. Elle est nickel. Kelly. Épouse-la, Kelly. Épouse-la. Épouse-la, mon gars. Épouse-la. Dis-le-moi que c'est un passé, putain. Oh, oh. Ouais. C'est bon. Ça va. Et mon pote, comment? Eh, mon pote, c'est comment ton prénom? Pierre. Pierre. Pierre, ouais. Écoute-moi une seconde. Je vais te dire maintenant. Tout ça, c'est un canular. Radio VR. Oh, Pierre. Salut mon Pierre. T'es à la radio, sur ouais. Radio VL. En plus, ta copine, elle a dit que, eh bien, tu nous connaissais un petit peu tous. Jean-Michel Maire, Gilles Verdès, c'est Aymeric Bonnery qui anime l'émission. Ouais. Et on s'excuse, mon poulet. On voulait se marrer. Quoi. T'as fait un coup. Quoi, c'est quoi, je suis désolé, Pierre, c'est un canular. Je ne connais pas ta copine. Je suis très content que vous soyez amoureux, mais je suis absolument pour rien. Je ne la connais pas. Hey, ça va, mon Pierre? Ouais, ça va. Il faut pas faire ça, les gars. Par contre, la table, elle va être où? Non, mais arrête, Pierre. Elle soit cool, Pierre, c'est des conneries. C'est un canular. Hein. Sois cool. Non, mais il faut pas faire ça. Des blagues à des mecs comme moi, c'est pas ce que j'ai vécu. Hein. mon pauvre Pierre. Ouais, non, mais écoute, voilà. J'ai compris. Pour cette fois, ça va. Pierre, tu tabasses pas tous les clients, quand même. On peut venir te voir. Non, mais tu lui gardes une table quand même ou pas? Les clients, ils connaissent pas ma meuf. Ah, c'est vrai. En tout cas, merci mon Pierre, on va t'envoyer des cadeaux. Bon, on t'embrasse, Pierre. On t'embrasse.